L'an dernier, nous avons mis en place un numéro de téléphone accessible à tous nos anciens joueurs pour qu'ils puissent nous joindre 7 jours sur 7. En ce début d'année 2021, notre président Jean-Michel Aulas a décidé d'avoir une attention toute particulière envers nos aînés. Qu'ils aient disputé un match ou plus de 500, ils ont tous reçu un colis comprenant plusieurs cadeaux. C'est tout un club qui s'est mis au service de ses aînés, puisque la force, la grandeur et la richesse d'une institution résident dans sa culture et dans son héritage. Je te laisse t'asseoir ici. On est très heureux en tout cas de te recevoir, tu le sais. Vous avez reçu effectivement un colis, toi tu es le dernier à le recevoir, mais avant on avait une petite surprise pour toi. Je te laisse regarder et écouter. Salut Yves, une petite vidéo pour vous dire que vous êtes un exemple en termes de fidélité, de fierté pour le club. Vous avez marqué l'histoire du club avec vos 490 matchs joués sous ces couleurs qu'on aime énormément. Voilà, j'espère en tout cas vous rejoindre bientôt et puis en espérant se voir pour pouvoir partager ce moment ensemble. Donc voilà, avec la crise sanitaire qui nous frappe actuellement, je voulais vous remettre un cadeau. Donc, je vous le fais à travers cette vidéo. Donc, vous allez recevoir un cadeau assez simplement sous peu chez vous. À bientôt et puis prenez soin de vous. Eh ben, merci beaucoup, j'apprécie et je suis surtout très ému parce que je n'ai pas l'occasion vraiment de le connaître plus que ça, mais d'après ce que je peux voir déjà en tant que personnage et en tant que joueur, il fait une belle carrière. Donc venant de lui, en plus, je suis très ému. Merci beaucoup pour tout ça. Ouais, je ne m'attendais pas à... C'est sympa. Dans tous les cas, je suis très, très touché. Si vous avez un mot à lui adresser, il le verra en... Anthony, je te remercie et puis c'est une réelle surprise. Et moi, je te souhaite longue vie dans le football et que tu ailles le plus haut possible. Tu sais que pour cette jeune génération, tu es un modèle de fidélité au club et de longévité. C'est bien, au moins j'aurais laissé quelque chose. Tu en doutes ? Ah non, pas du tout. Non, en toute modestie, j'en doute pas. Mais compte tenu de ce qu'on peut voir, moi, j'ai mon plus grand regret, si tu veux, dans le football, c'est de ne pas avoir connu l'entraînement spécifique gardien de but. Ouais. Comme je dis souvent en plaisantant, si j'avais connu le spécifique gardien de but, je jouerais encore. Est-ce qu'on ne sait pas, Yves ? Est-ce qu'on ne sait pas ? C'est que ton fils, ouais. Donc toi, tu as quand même disputé 480 images, tu es un des symboles de l'OL. Et ton fils, dans l'anonymat le plus total, il est abonné au Virage Noir. Et oui, ça, personne ne le sait. Tout à fait. Moi, je viens... Et tu vas régulièrement au Virage, oui. Sans rien dire à personne, personne ne te reconnaisse non plus. Non, bon, il y en a quelques-uns, parce que ce sont des habitués de longue date. Puis à la longue, ils savent qui je suis. Mais sinon, quand je suis venu avec mon fils récupérer les abonnements, un soir, on était le soir de match, et puis mon fils voulait une écharpe. Donc on est allé vers le stand, là où ils vendent tous leurs maillots et tout. Et en rigolant comme ça, le grand qui est le responsable de oui. Tous les... Je lui dis, mais l'écharpe, là, vous allez m'en faire cadeau. Il dit, bon, et pourquoi ? Et mon fils lui dit, c'est... Elle était parvenue, donc depuis quand on se voit, c'est toujours sympa, bonjour, tout. Ouais. Beaucoup des supporters qui vont regarder cette vidéo vont découvrir que tu vas aussi au Virage Nord de manière totalement anonyme pour suivre les matchs. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu sais que ça représente beaucoup pour un supporter ? Je pense, oui, parce qu'ils s'imaginent des fois que les joueurs ce sont des gens inabordables. Pour certains, certainement. Mais je veux dire, on est après tout des hommes comme tout le monde. Hein. Mais enfin, je profite toujours des beaux moments, surtout quand on vient dans le cadre des légendes. Quoi. C'est vraiment une bonne chose et on en remercie le président d'avoir fait ce genre de manifestation. Ok, avec une... Oh putain. Alors ? Ah ouais.
c'était en 60... 71-72, celle-ci. 71-72. Qu'est-ce que ça te fait? C'était hier. Ouais. C'était hier. À travers toi, tu remercieras le président. Mmh. Hein? Voilà.